Guida dirigeant Barcelone qui a milité très fort pour Xavi à retourner sous décision pour arrêter dans le club bleu. Encore une fois, nous connaissons Xavi qui annonce des pales pour faire saison 2023-2024 qu'il a quitté le club bleu. Eh bien, là, il y a un pile regret qui commence à gagner. Nous allons voir ça. Et puis, tout y a un gros débat. Nous avons dit qu'il a lancé dans le vestiaire Real Madrid là, et Kylian Mbappé, Erling Haaland. Nous allons voir comment plusieurs joueurs dans Real Madrid et bien dans vestiaire là, comment ils ont réagi. Nous allons partager un pile d'informations ensemble avec vous, mais pas oublier si vous à peine rejoindre nous, meilleure façon capable de supporter le travail là, c'est abonner avec channel là, les fins abonner, tout activer la cloche notification, quitter un commentaire, quitter un like et surtout aider nous partager vidéo ça. Dans l'actualité, on a démarré avec Amad Diallo, le héros de Manchester United. En Angleterre, c'était quart de finale FA Cup, complètement incarné avec un match fou entre Manchester United et Liverpool, qui finit 4-3 en faveur équipe mancunienne. 7 goals inscrits dans le match football, pas oublié 2 inscrits dans la prolongation. Il y a un scénario qui te paraît vraiment fou, derby d'Angleterre, là, qui est vraiment exceptionnel avec une qualification de Manchester United dans la dernière seconde. C'est un monde fou, c'est comme ça. Et journal Manchester Evening News t'a réagi avec un non héros United là qui c'est Amad Diallo. Et bien là, il y a un journal Daily Mirror qui fait aussi une avec un jeu de mots pendant qu'il écrit le match fou d'Amad. Après, en compte là, nous avons dit héros hein, qui t'a évidemment savouré moment ça. Monsieur dit chaque instant c'est comme un rêve. Moi, j'étais à Sunderland saison dernière et rêve-moi, c'était joué pour Manchester United. Moi, là, donc, pour me rêver à chaque instant, ces déclarations de et M. Sa n'a parlé exactement de Diallo, les mêmes qui permettent avec Manchester United une qualification sur l'équipe Liverpool. N'a pas quitté l'Angleterre pour nous aller en Italie avec une information de la Gazzetta dello Sport et concernant Théo Hernandez et Milan AC. Latéral gauche là qui très en forme et qui fait partie de une meilleure latéral gauche qui gagne dans moment pas gagne maintenant ça. Monsieur lui-même qui retrouve le et dans viseur plusieurs grands clubs européens. Pour rappel, les sous contrat avec Milan AC jusqu'en 2026. D'après plusieurs médias allemands, Bayern Munich est même prêt pour passer à l'action en cas de départ de Alfonso Davies qui annoncé dans Real Madrid. Mais au fait qu'on est Milan AC, pas fait aucun cadeau. Pour un club gagner service joueur français, il faut que tu mettes d'ailleurs au minimum 100 millions d'euros si pour nous croire information journal La Gazzetta dello Sport. Gagne gros débat dans le vestiaire Real Madrid. En plus, monde estime qui débat ça, c'est concernant Kylian Mbappé et Erling Haaland. Nous connaissons que Mbappé, c'est un joueur Paris Saint-Germain, l'époque joue Real Madrid officiellement. Haaland qui a évolué dans l'équipe Manchester en City, est bien capable de dire deux joueurs ça a provoqué gros discussions dans le vestiaire madrilène. Et ça a confirmé, c'est à travers une vidéo qui paraît vraiment virale, week-end qui se passe en là et qui est relayé par Journal As. Dans la vidéo, ça, fanatique, nous voyons Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga qui a fait gros débat sous un niveau à deux joueurs. Mais il paraît impossible d'avoir le journal là pour avoir qui non joueur évoqué. Mais vous faites connaître Jude Bellingham, t'a semblé apparaître des fans joueurs par là. Quand il dit joueur qui me parle, les meilleurs qui parlent. C'est comme ça anglais lui-même t'a voilà déclaré avec Tchouaméni qui te profite ri sur réseau social. Alors, en pile monde estime que eh bien c'est de Mbappé et Haaland nèg yo a parlé. C'est comme ça la gars là, c'est de Mbappé et Haaland nèg yo a parlé. Yo t'a fait connait Camavinga Tchouaméni a défendre Mbappé et Bellingham l'a défendre ancien coéquipier qu'elle te gagne dans Borussia Dortmund qui c'est Erling Haaland. Voilà ça qui mettait en pile parler dans le vestiaire Real Madrid là d'après révélation journal As lui-même l'a fait.
N'a pas chaviré dans l'équipe FC Barcelone. Eh bien là, un pile supporter te pointé du droit Xavi Hernandez lorsque Barcelone t'a fait mauvais résultat. Ça qui provoqué colère et coach catalan qui fait monsieur lui-même annoncer qu'il a quitté le club pour faire saison 2023-2024 là. Mais faut que nous disions après annonce départ Xavi, eh bien que le club lui-même lui a fait résultat positif, surtout dernier résultat là face à l'équipe Atlético de Madrid là, 3 goals à 0. Ça qui vient passer. Et bien là, il y a une grosse tête dans la direction club catalan qui a réfléchi pour faire Xavi retourner sous décision. Notamment une acte coup à déco. Directeur sportif Blaugrana yo, eh bien monsieur indiqué qu'il pas une discussion avec Xavi, mais porte-là toujours été l'ouvrir pour Xavi. Je dis Deco qu'a parlé. Nous t'ai dit depuis le début qu'il t'ai renouvelé contrat pour deux saisons. Là pas une discussion. Mais Xavi déjà expliqué situation li. Si il y a des bagages qui changent, je pense que nous allons parler. Mais ce n'est pas moment ça. Eh bien, fanatique, Deco lui-même qui parlait. Est-ce que Xavi a pris une décision? Eh bien, c'est une grosse question qui a posé actuellement. Mais Xavi a toujours été sous ça qu'il disait, M. Delap, qui est le club là pour faire saison 2023-2024. Là. Pas blé soit à peine rejoindre nous. Meilleure façon pour supporter nous, c'est abonner, là, au fin abonner, activer la cloche notification.